Bonjour à tous. Permettez-moi aujourd'hui de terminer cette courte série de quatre réflexions sur le temps de la fin et sur l'attitude de notre monde vis-à-vis des promesses de Dieu du retour de Jésus, proche, je l'espère et je le crois. Lisons, si vous le voulez bien, un passage qui se trouve dans le livre de l'Apocalypse et qui parle aussi d'un retard de ce retour. Nous l'avons vu hier dans la deuxième lettre de Pierre au chapitre 3. Dieu nous dit qu'il ne tarde pas dans l'accomplissement de ses promesses, mais ce qu'il veut simplement, c'est que tous soient sauvés, parce qu'il nous aime. Voyons ce qui est dit dans le livre de l'Apocalypse au chapitre 6, et nous lirons les versets 9 à 11. Je n'entre pas dans le contexte, c'est beaucoup trop vaste. « Quand il ouvrit le cinquième sceau, je vis sous l'autel les âmes de ceux qui avaient été égorgés à cause de la parole de Dieu et du témoignage rendu. » Ils crièrent d'une voix forte, « Jusque à quand, Maître saint et véritable, tarderas-tu à faire justice et à venger notre sang sur les habitants de la terre ?» Une robe blanche fut donnée à chacun d'eux, et il leur fut dit de se tenir en repos quelque temps encore, jusqu'à ce que soit au complet leur compagnon de service et leur frère, qui allaient être mis à mort comme eux. Alors je voudrais m'arrêter simplement sur la fin de ce passage. Les âmes sous l'autel représentent tous ceux qui sont morts au cours des siècles, qui ont été persécutés pour leur foi. Et ils crient à la justice. Pourquoi tardes-tu à tirer vengeance de ce que les hommes de la terre nous ont fait? Alors la réponse de Dieu est en deux parties. Tout d'abord, on leur donne une robe blanche. Cette robe blanche, cela signifie qu'ils sont sauvés. Leur salut est assuré. Et puis une parole leur est dite. Et cette parole est très belle. Tenez-vous en repos quelque temps encore. C'est-à-dire, il faut que vous soyez morts encore. On est là dans une parabole. Bien sûr, les âmes ne vivent pas, ils sont morts. Mais on les fait parler pour exprimer ce souci quant au retard de la venue de Jésus. Tenez-vous encore au repos quelque temps. Pourquoi ? Pourquoi encore attendre ? Le texte dit, jusqu'à ce que soit au complet vos compagnons de service et vos frères qui vont être mis à mort comme vous. Voilà la raison de cet apparent retard dans le retour de Jésus. C'est tout simplement parce que le nombre de ceux qui doivent être sauvés n'est pas encore complet. Mes amis, il y a encore des gens à sauver dans le monde. Il y a encore des gens à sauver dans votre immeuble. Il y a encore des gens à sauver dans votre village, dans votre ville, dans vos familles. Alors, tant qu'il fait jour, tant que nous sommes en vie, tant que notre monde n'est pas encore détruit, travaillons, annonçons partout la bonne nouvelle du salut en Jésus. Parce que tant que le nombre de ceux qui doivent être sauvés ne sera pas complet, Jésus ne reviendra pas. Parce qu'il ne veut pas qu'aucun périsse, mais il veut que tous parviennent à la vie éternelle.